Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Chloé, professeure de yoga, tantrique. Claudine, 43 ans, raconteuse dans le métro. Très bien. Mesdames, comment avez-vous appris votre grossesse? Alors, moi, avec Philippe, on l'a tout de suite senti. C'est-à-dire qu'il a posé sa tête sur mon ventre. Et là, j'ai pété. Ah. Ah non, mais c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, du coup, on s'est dit qu'effectivement, il y avait eu un bouleversement interne, ouais. D'accord. Ben, moi, c'est le SAMU social qui m'a dit que j'étais peut-être enceinte de 2 semaines. J'avais un polychinelle dans le tiroir. Ouais. Ça m'étonnerait parce que je baisse pas, alors. Mais peut-être, des fois, je fais des blackouts. Ah, d'accord. Et quelle a été votre réaction? Ah. Vous avez vomi? Non, ça c'est les nausées. Oh. Non, bah, quand j'ai su, toi, j'ai chialé. Mais il est trop tard pour avorter, quoi. Avec Philippe, ça a été le plus beau jour de ma vie. En fait, il a sauté de joie. Et il m'a sauté tout court aussi. Effectivement, pour réouvrir mes chakras, c'était merveilleux. Ouais. Ah, ça pue l'amour à 10 km, ton histoire. Oui, bah, c'est un petit peu le principe, oui, effectivement. Et vous l'avez annoncé quand à la famille? Ah bah moi, ils sont pas au courant parce qu'ils sont tous morts. Hein. Enfin, dans ma tête. Alors moi, Philippe a voulu faire un dîner, mais je trouvais ça un petit peu trop conventionnel. Du coup, j'ai organisé un flash mob au Trocadéro avec tous mes petits yogis. On a fait la position du fœtus du soleil, ouais. Vous savez, pour annoncer la naissance. Mmh. On était 137, c'était superbe. Après, j'ai mis la vidéo sur YouTube et on a fait 150 000 vues. C'est merveilleux. Ah, d'accord, très bien. Et sinon, vous avez eu des symptômes? Ah ben non, pas du tout. En plus, j'ai pas pris un pet de graisse. Donc ça, c'est super. Et puis, surtout, moi, avec le yoga, je muscle tous les jours mon périnée. Donc du coup, Philippe est ravi. Mes petits yogis aussi. Ah non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouh là là, vous avez mangé un sandwich à la viande, c'est ça? Un kebab. Très bien. Comment vous voulez accoucher? Alors, avec Philippe, on a prévu... L'accouchement dans l'eau, c'est vachement original, hein, ça va, on a compris, madame la duchesse. Oui, mais alors, attention avec une chorégraphie particulière, parce qu'en fait, cette année au Tibet, c'est l'année du phoque. Ouais, bah, moi, on m'a appris le clébard, et puis c'est tout. Hein. Oui, bah oui, oui, là. C'est vrai, la respiration du chien, mais c'est un petit peu classique. Hein. Si je sais faire le phoque, je sais aussi faire le chien. C'est ok, très bien, bah, je lance tout de suite le concours de celle qui fait mieux le chien. C'est parti. Voilà. Pas de soucis. T'es pas obligé de te pisser dessus, hein? Non, mais je crois que je suis en train de perdre les os là. Appelez Philippe! Philippe! Appelez une ambulance, s'il vous plaît! Vas-y, fais le fuck! Fais le fuck! Fais chien! Fais le fuck! Elle est complètement con, ça là, putain! Tu te fiches de moi? Écoutez, mademoiselle, je vous souhaite une belle épicio, hein, avec 30 points de suture dans le cul! C'est ça! Et voilà! Philippe! Philippe! T'entends pas? T'as pas une bière, une clope? Non, en plus, c'est pas possible, vous êtes enceinte. Oui, c'est bon, on peut rien faire dans ce pays, hein, c'est bon. Je me casse, ça pue la défaite.